ces idées nouvelles, ces tentatives, disons, sont soit des tentatives au niveau mathématique, de vos modélisations, soit au niveau de mécanismes d'apprentissage et éventuellement d'intégration de connaissances des mécanismes de l'audition ou de la production de la parole. J'ai noté quelques tentatives intéressantes qu'on peut passer en revue rapidement. D'une part, les modèles segmentaux, et je sais que le mot nouveau ne veut pas dire grand-chose parce que c'est des méthodes qui ont quasiment 20 ans maintenant. Les modèles segmentaux, moi, par exemple, quand je l'ai publié, c'était la thèse de Yifan Gong il y a facilement une vingtaine d'années. Mary Ostendorf a également travaillé là-dessus. Donc l'idée est de dire que dans un état d'un modèle de Markov, les probabilités que vous stockez ne sont pas des probabilités d'émettre un vecteur d'observation, mais d'émettre une séquence de vecteurs d'observation. Autre façon de prendre en compte le temps, finalement. Hein. Ben ça paraît bien comme ça, mais malheureusement, ça marche pas. Puis l'apprentissage est beaucoup plus compliqué, évidemment. Et puis ça ne marche pas vraiment mieux. C'est dommage. Enfin, il fallait essayer. Ça a été retravaillé par Gravier. Oui, ça a été retravaillé aussi par Victor Zhou à MIT, sous la forme du système Summit, qui, l'idée est maintenant de dire, bah bon, pendant 20 ans, les gars, vous avez échantillonné à 100 Hz votre signal de vocal, moi je fais beaucoup mieux, je fais un échantillonnage variable en fonction du type de signal. Si j'ai à faire une voyelle stationnaire, ben c'est pas la peine que je rééchantillonne. Au contraire, si je suis dans une transition, explosion de plosive, je vais échantillonner très fin pour ne pas perdre d'information. C'est bien, mais à ma connaissance, je ne suis pas physique depuis un moment, mais je ne crois pas que ça a été vraiment meilleur. C'est un peu décevant ce que je dis là. À chaque fois, une méthode qui paraît intéressante, mais ça ne marche pas très bien. Autre méthode qui paraissait aussi très intéressante, en plus qui avait un fondement, un substrat de psychoacoustique et de physiologie, c'est le modèle multiband. Hein. Fletcher avait montré dans les années 30 ou 40, peut-être même 20 ou 30, que l'audition humaine fonctionnait dans des bandes de fréquences plus ou moins indépendantes qui permettaient de s'affranchir de bruit. En général, un bruit qui entache la parole, c'est un bruit qui est à bande de fréquence limitée. C'est un bruit basse fréquence, c'est un bruit haute fréquence, c'est un moteur, c'est un bruit de transmission sur une ligne, c'est du 50 Hz, si vous voulez. Donc, si on fait abstraction de la zone de fréquence en correspondante, on peut avoir une meilleure reconnaissance. Autrement dit, l'idée, c'est de mener des reconnaissances dans différentes bandes de fréquence, comme c'est indiqué là, une première bande, une deuxième, troisième, quatrième. À Nancy, avec Christophe Cerisard, on avait essayé différents nombres de sous-bandes, on avait trouvé 4, c'était pas mal. Et puis, le problème, c'est ensuite de recombiner, d'avoir un module pour recombiner les résultats de chacune des bandes, puisqu'il n'y a aucune raison que chaque bande donne le même résultat. Donc, il faut trouver une méthode, soit un vote majoritaire, soit une méthode de type rover ou autre, pour trouver la méthode. Donc ça a été utilisé à l'IDIAP, aussi à Nancy, par d'autres encore, on retrouve encore Hermansky. Ensuite, on a eu beaucoup d'améliorations. Notre grand chef Hervé il a travaillé là-dessus. Tu as repris ces choses-là, non? Tu as arrêté depuis Non. En tout cas, tu avais été le premier, hein, tu as bien fait de me le rappeler parce que j'avais oublié, sur la pondération des différentes bandes. À Nancy, on avait essayé avec Daoudi d'utiliser des réseaux bayésiens pour faire du couplage entre les bandes. Là aussi, on n'avait pas réussi à montrer qu'on était meilleur que les autres. On aurait bien aimé, mais on n'a pas eu. Je dirais très peu de choses d'un modèle qui est plus général que le modèle de Markov, qui sont les modèles graphiques, notamment les réseaux bayésiens. Il y a eu beaucoup de choses faites. D'abord, le premier qui a été utilisé, qui était une extension non orientée des HMM, c'est les modèles des champs de Markov. C'était la thèse de Guillaume Gravier à Télécom. Hein. C'était une investigation intéressante qui n'a pas vraiment eu de suite, parce que c'était quand même mieux d'avoir un graphe orienté.
Donc les réseaux bayésiens ont été beaucoup utilisés dans le domaine de la parole, il y a eu, aux États-Unis en particulier, beaucoup d'activités là-dessus, mais je ne crois pas qu'il y ait eu vraiment... je passe, je pense, vous savez ce que c'est que les réseaux bayésiens, si vous ne savez pas, vous le verrez, vous avez plein de publications sur le sujet. Il y a eu plus, finalement, de travaux dans le domaine de l'imagerie que dans le domaine de la parole, hein, sur le sujet. Beaucoup plus. Parce qu'on peut très bien, on peut assez facilement définir un réseau à partir de primitives d'images, de relations entre ces primitives, et puis d'avoir un groupe perceptif, un groupe perceptuel, vous voyez, qui correspond à cet ensemble de primitives. Je pense que ça se modélise assez bien pour l'image, pour la parole, je pense que c'est beaucoup moins intéressant. Une autre idée intéressante, c'est l'idée de données manquantes, qui avait été émise par l'équipe de Cook au début des années 2000. On y a travaillé aussi à Nancy et à d'autres endroits. L'idée est de partir du fait que un spectrogramme de parole, tel que celui qui est au-dessus, là, ici, peut être masqué par du bruit et que certaines zones sont plus dégradées que d'autres. Et l'idée est de marginaliser les zones dégradées, de les marginaliser au sens qu'elles ne vont plus servir pour la reconnaissance. Comme qu'elles sont baignes de bruit, eh bien, c'est pas la peine de leur faire confiance, elles n'ont rien de bon. Donc on va faire de la reconnaissance en marginalisant, en mettant de côté les zones bruitées. Alors, l'idée est bonne. On peut... Je prends un exemple, je ne sais plus à qui j'ai pris, malheureusement, j'aurais dû le noter, mais c'est pas de moi, en tout cas. Voilà un spectrogramme, c'est de l'anglais, hein. Voilà un spectrogramme de chiffres anglais prononcés dans une bonne condition, bon rapport signalisation bruit. Et voilà le même spectrogramme avec un bruit blanc de 15 décibels ajouté. Bon, alors il y a des zones qui sont peu fiables et ce sont des zones bleues. Donc ces zones corrompues par le bruit vont être éliminées. Et la reconnaissance va se faire exclusivement sur les zones non bruitées. Alors il existe différentes façons d'éliminer ces zones, de marginaliser les zones. La première, telle que je le montre là, c'est simplement sur le rapport signalisation bruit. C'est un peu bestial, hein. Donc on peut faire beaucoup mieux. Il y a différentes méthodes qui ont été utilisées pour déterminer quelles sont les zones qui manquent dans le spectrogramme. Donc les zones qui sont se jettent à caution, disons. On peut utiliser le critère de rapport signalisation bruit, le deuxième, c'est ce que j'ai utilisé dans le cas précédent. On peut utiliser aussi, regarder s'il y a des zones qui sont, disons, d'énergie négative. Et on peut aussi utiliser un critère statistique, c'est-à-dire calculer la probabilité de qu'une zone soit à rapport signalisation bruit positif, en supposant que le bruit est à distribution gaussienne, ce qui est quand même une grosse approximation. Et à ce moment-là, on va éliminer toutes les zones dont le rapport signalisation bruit est positif, qui sont inférieures et dont cette probabilité est inférieure à une certaine valeur déterminée a priori. Ça, c'est aussi une belle idée. Il y a eu des thèses là-dessus. Hein. Sandra Weiss qui avait exploré quelque chose dans ce genre-là, mais qui me semblait dans le sens que lui faisait un modèle probabiliste des données vues comme un mélange du bruit et de la parole. Et donc, il n'y a plus besoin d'un critère comme ça manuel. Ça découvre tout seul la manière qu'on segmente dans le temps. Et tu as en fréquence, quelles parties sont générées par l'un, quelles parties sont générées par l'autre. Et tu apprends a priori ces distributions. Totalement, c'est juste pour faire des données. Mm-hmm. Mais il faut un modèle du bruit. Oui, en gros, oui, c'est ça. Oui. Alors que là, non. Non, mais le modèle du bruit, tu peux l'apprendre aussi. Le problème, c'est que... C'est le bruit. C'est... Oui, je suis là, mais ça veut dire que... Oui, attends. Supposer que ce que tu observes, c'est soit structuré avec un HLM, etc. Ouais. Et c'est la parole, ou ça vient d'un modèle de bruit qui a des paramètres libres que tu peux apprendre aussi. Donc, oui, mais parce que tu veux dire... Les données de bruit. Mais tu pars du principe que tu peux apprendre le modèle de bruit. Bah oui. Donc tu vas apprendre une gaussienne, tu vas apprendre une distribution qui est assez plate, là, qui couvre des choses qui ne sont pas structurées. Ouais. Ouais, tu as un principe de bruit que tu attends, d'accord. Mais pas sur exemple. C'est pas un apprentissage sur exemple, c'est un. Si, c'est à partir d'exemple.
Ouais, mais ouais. Tu imposes la structure du bruit, en fait. Bah, la structure, c'est qu'il n'y a pas de structure. Contrairement à la c'est ça. D'accord. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est, oui, c'est une, j'aurais dû le noter également, ça, c'est bien. Comment tu dis, comment il s'appelle, lui, hein? Sam Rowais. Ça ne me dit rien du tout, ça. Sam Rowais, c'est un ami qui est décédé d'un an. Oui. Ah, je vois. Bon, je retrouve ça, tiens. C'est vrai que tu mets qu'un... Bon. Pourquoi je mets ça? Ah oui. Pour dire quelques mots quand même sur l'apprentissage, il y a des sommités mondiales. Tu n'étais pas là tout à l'heure, je me suis permis de dire que tu étais une sommité mondiale. Je te le redis, parce que c'est sur le sujet. Donc, je parlerai peu d'apprentissage, mais il y a quand même quelques petites choses que je voulais dire. Opération fondamentale, comme on l'a vu, hein, de toute façon, que ce soit avec la programmation dynamique ou des méthodes probabilistes, l'apprentissage est fondamental. S'il est mal fait, on est foutu. Une importance majeure. De la parole, mais de façon générale aussi en traitement d'image et d'autres. Donc, dans le cas de la parole, ça revêt un double aspect. Je ne parlerai pas du second. Le premier aspect, c'est l'apprentissage des modèles acoustiques. Le deuxième, c'est l'apprentissage des modèles de langage. Alors, dans les deux cas, il faut d'énormes quantités de données. Dans le cas des modèles de langage, je ne veux pas minimiser, c'est un problème difficile aussi, mais je dirais que moins coûteux à la fois en complexité des modèles, le fait d'apprendre un modèle n-gramme, hein, et moins coûteux en énergie, parce que ces modèles n-gramme peuvent être appris à partir de données écrites. Bon, en France, vous avez, c'est sûrement le vrai aussi au Québec ou aux États-Unis, en France, vous pouvez acheter 10 années du journal Le Monde, ça vous donne de très grosses quantités de données, plus ou moins nettoyées. On a des méthodes pour les nettoyer. Et à partir de ces données, vous pouvez calculer de façon non biaisée des probabilités de trigramme ou de quadrigramme. Ça, on sait faire. En revanche, pour les données, apprendre des modèles acoustiques, le problème est plus difficile puisque c'est pas difficile d'enregistrer des gens. C'est peut-être encore plus facile. Il suffit de prendre un microphone. Mais ensuite, pour faire de l'apprentissage supervisé, il faut que ces données soient étiquetées phonétiquement. Il faut que quelqu'un étiquette à la main, à tel endroit c'est un A, ici c'est un P, etc. Et avec quand même une assez bonne fiabilité. Si les données sont mal étiquetées, vous allez avoir un biais dans le calcul des probabilités. Donc ça coûte extrêmement cher. Tous les opérateurs de téléphone possèdent des gigaoctets de données acoustiques étiquetées et ils se gardent bien de les donner. Hein. C'est quelque chose qui est... En principe, on pourrait se contenter de donner de transcription de la parole. C'est ce qu'on fait. Phonème. C'est ce qu'on fait. Mais quand même, il faut déjà que quelqu'un te dise ce qui a été dit. Et si tu as du téléphone, eh bien, tu ne le sais pas forcément. Alors, on a des solutions intermédiaires, notamment ce qu'on appelle du slightly supervised learning, l'apprentissage légèrement, je traduis par légèrement supervisé, ou... dans le cas où on a des données avec transcription. Mais ce n'est pas toujours le cas. Hein. Alors c'est de plus en plus le cas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si tu es arrivé, dans la mesure où les grands médias sont de plus en plus tenus à donner la transcription de ce qu'ils émettent. Donc là, on a des belles données, il y a des erreurs, mais c'est déjà un bon départ pour faire de l'apprentissage. Et puis il y a une autre solution, évidemment, c'est de faire l'apprentissage non supervisé. Donc là, l'apprentissage non supervisé a de belles années devant lui, mais il y a encore du travail quand même. Hein. Alors, en pratique, on peut faire du semi-supervisé, c'est-à-dire qu'on combine des données avec des étiquettes. Tu en parleras, non? Pour en glisser un mot. Ouais. Ça serait, je m'étais dit que tu en parles, c'est pour ça que je n'avais pas plus travaillé cet aspect-là, mais c'est sûrement quelque chose d'intéressant, en fait, c'est sûr. Hein. Là, j'avais repris à nos amis Gales de Cambridge University un tableau intéressant. C'est toujours dans les évaluations de DARPA. Hein. On voit que l'évaluation de 0,3, ça veut dire 2003, et 0,4, c'est 2004. Et on voit l'évolution du taux d'erreur, sur le taux d'erreur, ça. Hein. Soit avec un apprentissage non discriminant, le maximum de ressemblance, soit un apprentissage discriminant. Bon, c'est déjà meilleur, évidemment. Si on a 375 heures... de données étiquetées, hein, on arrive à 12,5% taux d'erreur. Et avec 2200 heures de données étiquetées, on a gagné un peu plus d'1%.
C'est un bout de Paris dérisoire, c'est énorme. Hein. Actuellement, dans l'état actuel des choses, gagner 1,4%, c'est le rêve de tous les gens qui participent aux évaluations de DARPA, n'est-ce pas, Joseph? Ça te rappelle des bons souvenirs. Et donc voilà, vous voyez l'importance du volume d'apprentissage dans ces domaines. Je suis sûr qu'on peut en dire autant pour l'image, hein, c'est pas propre à la parole ou pour des sons autres que des sons de parole. Qu'est-ce que je veux dire là-dessus? Oui, bon, encore une fois, l'apprentissage, je laisse à plus compétents que moi le temps d'en parler. Pendant très longtemps, la reconnaissance de la parole, les reconnaisseurs de parole n'ont pas été bons et ont fait de l'apprentissage non discriminant, ce qui, en termes de reconnaissance d'effort, est plus facile à faire, un maximum de vraisemblance est facile à faire, mais ça n'a pas de bon sens, comme on dirait à Montréal. Donc il faut vraiment faire du discriminant au sens du minimum d'erreurs de classification, du maximum d'informations mutuelles, au sens d'un perceptron qui fait un apprentissage discriminant, ou de la machine à vecteur support. Qu'est-ce qui parlait de SVM tout à l'heure à la pause là? C'est toi, non? C'est intéressant ce que tu disais là. Hein, c'est... Non, mais... Oui. Non ouais. Je vais renvoyer un peu sur les travaux d'apprentissage structuré par SVM pour ces approches-là, justement, en intégrant une composante temporelle, et regarder les travaux de Joachim, notamment qui permettent d'intégrer des fonctions de coût un peu plus intéressantes et qu'on peut évidemment appliquer à la parole, permet d'intégrer une structure et donc un apprentissage complètement discriminatif et structuré en temps linéaire. D'accord. Donc, qui permet de s'attaquer à des grandes bases. Oui, c'est bien. Bon, je parle sur SVM, puisque peut-être que d'autres en parleront. Et je vais déterminer cet aspect-là sur la notion de paramétrisation probabiliste. Bon, je vous ai fait tout à l'heure un panorama assez complet des méthodes de paramétrisation du finir vocal. Pour finir sur l'idée que finalement, ce qui est utilisé actuellement, c'est MFCC. Plus les dérivées première et seconde, en gros, c'est ça qui est plus, de plus en plus, les trappes, c'est-à-dire des paramètres qui intègrent le temps sur une plus grande durée. Et maintenant, le must, et notamment si vous participez aux évaluations d'ARPA, parce que sinon vous perdez un petit peu, et si vous perdez, vous êtes foutu, c'est d'utiliser des paramètres probabilistes. Ça, c'est vraiment étonnant de voir à quel point cette notion a pris le dessus en quelques années. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Bon, première chose que vous savez bien, c'est que un modèle tel qu'un perceptron, c'est un approximateur universel. Vous pouvez approximer une distribution quelconque avec un perceptron multicouche. Il suffit de mettre le nombre de couches et le nombre de neurones nécessaires. Donc, les sorties d'un perceptron multicouche peuvent être utilisées pour approximer les probabilités a posteriori des classes phonétiques. Autrement dit, d'utiliser quelque chose qui est indispensable dans le modèle de Markov caché, dans les HNN. Alors, on peut les utiliser à la place, carrément à la place des mélanges de gaussiennes. Vous enlevez mon beau mélange de gaussiennes qu'il y avait dans chaque état, et vous les remplacez par un perceptron multicouche, dont les sorties seront les probabilités a posteriori de chacune des classes. C'est impeccable. Bon, ça a été Nelson Morgan à XI à Berkeley a beaucoup travaillé là-dessus, notamment avec Hervé Bourlard. Je pense que Zanfer a dû y travailler aussi, Samy Benjour a travaillé là-dessus. On remplace l'un par l'autre. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant encore, c'est d'utiliser ces sorties de perceptrons en complément des MFCC. Donc, finalement, on a agrandi le vecteur de paramètres. Il y avait les MFCC, les delta. Puis vous mettez en plus une trentaine de probabilités qui sont les probabilités a posteriori de chacune des classes phonétiques que vous avez. Inek Kamansky est encore dans le coup, évidemment. Donc c'est lui qui a proposé de faire ce qu'il appelait une paramétrisation tandem. Pourquoi tandem? Parce qu'il y a les MFCC d'un côté, plus les sorties des perceptrons de l'autre. Bon. Et c'est actuellement la méthode la plus efficace, sauf que
il y avait un certain nombre d'ennuis qui a été levé récemment, il y a un an ou deux, par des gens de, je sais plus si c'est Slovénie ou de Slovaquie, en utilisant ce que j'appelle, en introduisant la notion de bottleneck, on va revenir dans un instant là-dessus. D'abord, je répète ce que j'ai dit, peut-être sous forme d'un schéma, c'est plus pratique à voir. Donc, dans la méthode classique de Morgan, l'idée c'est, on part toujours d'un vecteur de paramètres, bon, ces vecteurs de paramètres, MFCC par exemple, plus des deltas éventuellement, ces vecteurs forment la couche d'entrée, sont envoyés à la couche d'entrée du perceptron multicouche, qui a combien de sorties? Eh bien, autant de sorties qu'il y a de classes phonétiques envisagées, 30 si tu en as 30. Il y a un avantage, c'est que souvent ici, on va mettre, au lieu de juste un instant, 10 millisecondes, on peut en mettre 100 millisecondes. Oui, ça a été essayé, c'est pas vraiment meilleur. On pourrait penser que ça serait meilleur, tu veux dire, on les mettre, hein, ici, 100, enfin... L'entrée du MLP, il y a un certain centiseconde, plus un autre, on peut mettre plus d'entrées. Hein. Le problème, c'est que l'apprentissage devient de plus en plus compliqué, enfin plus compliqué, qu'il faut plus de données d'apprentissage, et ça, c'est pas un problème, on peut y arriver. Et donc, vous avez autant de sorties qu'il y a de classes magnétiques, et on montre, je crois que j'avais publié un truc là-dessus, on montre que ces sorties peuvent être assimilées à des postérieurs, à des probabilités a posteriori des classes. Donc, vous pouvez les remplacer à la place des GMA, des mélanges de Gaussien. Bon. Alors ce que propose Hermansky, c'est de dire, je fais la même chose, éventuellement, comme tu dis, sur plusieurs centisecondes, et je les mets en entrée, mais en gardant mes mélanges de Gaussien. Donc en fait, ce que j'ai là, maintenant, j'utilise ces données probabilistes, on peut dire, comme une entrée d'un système HMM à mélange de Gaussien. Ouais, c'est une autre façon de voir les choses. Sauf que le problème est que bon, il faut prendre des perceptrons. Je vais vous montrer bien. La transparence suivante sera plus claire. Voilà. Sauf que si on prend la couche de sortie du perceptron, là ça marche pas. Alors ce qu'a proposé les gens comme Grezel et Fouzek qui est au IMSI maintenant, mais il a fait sa thèse avec Fred, je crois que c'est en Slovaquie. Enfin non. En Europe, dans un pays d'Europe de l'Est. C'est de faire quelque chose de très classique, le FFT, on prend les bandes critiques, logarithmes, tout ça c'est connu, on normalise un petit peu, et on utilise éventuellement des trappes, c'est-à-dire des paramètres avec une exclusion temporelle plus grande, et puis on fait, de bricolage, et puis on a un énorme perceptron avec les données brutes ici en entrée correspondant à chacune des bandes critiques qu'on a déterminées, et dans Fouzek ils ont jusqu'à 400 ou 500 neurones d'entrée là, hein. Vous voyez la taille, hein, les matières d'apprentissage, hein. Ensuite donc il a un perceptron à 5 couches. Une deuxième, ou quatre. Maintenant, ils en sont à quatre. Moi, j'ai pas bien compris pourquoi quatre. Enfin, cinq, ça m'arrangeait bien. Mais bon, parce que c'est la couche centrale ici. Donc, une première couche qui est assez importante, qui permet d'apprendre des fonctions, des distributions de probabilité assez complexes. Et puis, une couche intermédiaire ici, qui a exactement le nombre de classes phonétiques qu'on a déterminé. Hein. Si on est en français, on dira qu'avec 30 classes phonétiques, on couvre à peu près le français. C'est pas vrai, mais c'est à peu près vrai. En anglais, c'est un tout petit peu plus. En général, ils ont 36, mais cet endroit-là. Et puis, ils ont à nouveau une couche cachée assez importante, encore une fois, pour avoir une bonne modélisation, et puis une couche de sortie. Et il y a ce rouleau d'étranglement ici, on apprend l'ensemble du perceptron, mais on va piquer les données dans cette couche qui correspond aux différentes classes phonétiques dont on a besoin, et c'est ça qu'on va utiliser comme entrée
du modèle de Markov. À quoi sert l'analyse en contre-onde principale ici? Simplement à rendre indépendantes les données. Ça, je crois que c'est à la fois important, c'est vrai, mais ça change rien en principe. Donc, en 2007, ces gens qui n'étaient pas inconnus du domaine, hein, du cher, je crois qu'il y avait quelques grands noms de Cambridge, d'ailleurs, qui avaient dû un petit peu tousser dans leur bureau, parce que l'inconnu Fouzac leur a dit, écoutez, les gars, vous êtes bien gentils, mais si vous prenez cette couche-là, moi, je gagne, par rapport à vous, MIT ou SRI, je gagne 1 ou 2%. Et maintenant, tout le monde le fait, évidemment, hein, puisqu'il fallait le faire. Alors, pourquoi ça marche? Tu vas sûrement nous le dire. Moi, je ne sais pas pourquoi. Alors là, c'est invraisemblable, mais... Selon moi, ce qui se passe, c'est pourquoi il ne faut pas prendre la couche de sortie. C'est parce que dans la couche de sortie, on a déjà trop émis d'informations. Parce que dans les sorties, on est contraint fortement à prédire les bonnes probabilités. Enfin, oui. Dans les couches intermédiaires, il y a encore de l'information plus riche qui n'a pas été éliminée à la sortie. Mais pourquoi il y en a assez? Il y en a assez avec les 30 ou 60. Pourquoi il y a assez d'informations? Il y en a de moins en moins, en fait. Oui, il y en a de moins en moins, oui. Donc, oui. Il y en a assez. Après, il y en a plus assez. Oui. Bon. En tout cas, voilà où on en est actuellement. Oui. Attends, peut-être donc on termine. Bon. Moi, je pense que s'il y en avait plus, c'est simplement qu'il y aurait un problème au niveau de l'entrée du HRM pour les Gaussiens. Ça, c'est sûr. Mais on pourrait très bien aussi faire en sorte que cette dernière couche ait ce nombre-là. Non, mais là, il y a l'argument du fait que la dernière couche, elle a perdu trop d'informations, elle est trop distribuée. D'accord. Et elle a perdu quelque chose que les Gaussiennes peuvent récupérer si on leur donne un entrée chose de plus bas niveau. D'accord. Et il a fallu attendre 2007 pour se rendre compte de ça. C'est quand même pas mal. Ouais. Avec le micro. Ouais. Deux questions. Donc, je suis pas un expert en perceptron, mais du coup, pourquoi il faut apprendre du coup 5 couches et prendre la troisième. Et la deuxième question, c'est bon, de ce que j'avais vu, c'est que visiblement, vu que notre idée c'est quand même le plus souvent la réduction de la dimension, on a souvent des réseaux qui sont comme ça. Voilà. Non. 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 Et alors pourquoi des fois on pourrait avoir des étanglements? Quelle serait la motivation pour avoir des étranglements et de la réexpansion? Ah, c'est une bonne question. La réexpansion, c'est parce que ça nous permet de prendre une certaine représentation, mettons, qui est plus petite, puis d'en calculer une fonction plus complexe. Si on avait un nombre trop petit, mettons, à la couche, la grosse qui vient de disparaître, qui était dans le X, on ne pourrait pas prédire les probabilités aussi bien. Donc si après... après celle-là, on avait une autre petite, on ne pourrait pas prédire bien les probabilités ici. Parce qu'il n'y aurait pas assez de capacité, il n'y aurait pas assez de puissance de représentation dans le modèle pour bien prédire les probabilités. Donc ça, ici, ça prenait une grosse. Par contre, moi, je ne suis pas convaincu que ça prenait une petite ici, s'il met la PCR pour réduire la dimension, mais bon. Non, attends, il n'utilise pas la PCR pour réduire la dimension, hein. Simplement pour les replacer. On aurait pu garder peut-être une couche assez grosse ici et faire une PCA qui réduit la dimension. Ils ont essayé de faire ça, ça marche pas bien. Non. Ouais. On comprend pas tout. Enfin, moi, je comprends pas tout. Je sais pas qui. Ouais, je sais pas si Grézel il a trouvé ça par hasard ou si. Le but du bottleneck, c'est pour essayer de concentrer sur ce qui est plus pertinent. Exactement. Puis le but de la couche grande, c'est pouvoir avoir une puissance de représentation qu'on cherche à prédire qui est suffisante, sinon ça irait pas assez de degré de liberté. Oui. Alors j'ai pris un exemple ici pour simplement fixer l'idée du système de Cambridge University. J'aurais pu prendre celui du LIMSI ou du SRI ou de Berkeley qui sont à peu près qui sont populaires qui alors. Donc l'idée c'est d'avoir en entrée des HMM, vous avez d'une part de l'analyse classique, où ils prennent PLP, bon, ça pourrait être MLCC, avec les deltas. Alors c'est eux qui prennent la dérivée d'accélération en plus. Donc ils ont un certain nombre de paramètres. Alors là, effectivement, ils font une réduction de dimensionnalité par analyse discriminante. Et puis par ailleurs, ils ont ce fameux perceptron avec le bottleneck ici.
la couche avec le nombre de classes phonétiques, 26, et c'est l'ensemble de ces 26 classes, donc ces 26 probabilités et ces 31 paramètres qui sont envoyés au HMM. Voilà ce qu'est actuellement les systèmes de parole qui, sur des vocabulaires de 100 000 mots, ont des taux de reconnaissance, des taux d'erreur qui sont maintenant quasiment de 10%, voire moins. Donc c'est remarquable, hein. J'avais montré il y a 2 ans la transcription phonétique faite par notre labo à Annecy. Je crois que je ne vais pas la remontrer, si ça ne vaut pas le coup. Si. C'est dépassé. Comment ? C'est dépassé. C'est pas vraiment dépassé, parce que, tu sais, entre un système de décodage qui fait 15% d'erreur et 10% d'erreur, tu ne verras pas la différence. Ça ne se voit pas, en fait. Hein. Bon, il faudrait que je dise aussi beaucoup de choses sur la robustesse, mais je ne vais pas tout même abuser du temps, là. Je ne sais pas combien de temps on peut encore... Il faut arrêter, là, non ? Bah, ce que je proposerais bien, ça serait que... on continue un peu pour qu'ensuite Mathieu prenne la suite, et puis on mettrait Xanadu demain matin, en première exposée. Voilà. Comme ça, on a la soirée, enfin, entre ta fin et puis Mathieu. D'accord. Mathieu, c'est 2 heures. Donc c'est encore... Et il faut que la fin, ce soit 19h30, 20h. Bah après, on peut travailler après manger. Moi. Mais bon, en général... Ils n'ont pas là ça tellement d'accord pour... L'énergie après, il vaut mieux, voilà, tu fais encore une demi-heure, trois quarts d'heure. Ouais, une demi-heure maximum, Mathieu, une demi-heure. Donc, en une demi-heure, je voudrais vous parler quand même... Pardon. Une question. Quid des SVM à la place... À la place du perceptron. Voilà. Bah, rien d'extraordinaire pour l'instant. Mais il y a des gens qui ont essayé, mais là ici le perceptron, il n'est pas utilisé vraiment pour calculer les probabilités. D'accord. Non, non, non. Il est utilisé pour apprendre une représentation utilisée en entrée. Donc, enfin, SVM ne donnerait pas ça. On pourrait utiliser des SVM pour calculer les probabilités aussi. Oui, oui. Après une approche probabiliste des SVM, comme en représentation aussi. Là, il y a les deux, hein. Dans le truc de Camus, qui est l'Olympia quasiment même, là, ce sont bien des probabilités. Hein. Donc vous mélangez à la fois des paramètres. C'est la couche intermédiaire ou la couche de probabilité qui mène ? C'est la couche intermédiaire, c'est le bottleneck. Donc c'est pas les probabilités. Non, c'est pas des probabilités. C'est quelque chose qui ressemble quand même. L'histoire, c'est d'extraire une bonne représentation. Ce ne sont pas des probabilités, mais c'est quelque chose qui. C'est un paramètre qui est attaché à chacune des classes phonétiques. Donc, c'est... Ou à des mélanges. Comment ? Ou à des mélanges. C'est pas individuellement qu'il y a une unité qui est associée à chaque classe. Non, non, non. Puisque parce qu'on s'en sert pour prédire des probabilités, ça contient de l'information sur les classes. Ouais. On n'a pas eu, dans les congrès de 2011, une révélation extraordinaire. Moi, j'ai mis à la place du perceptron un SVM et j'ai obtenu 0,3% de reconnaissance plan plus. Non. Non, 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 mais je vous l'annonce simplement. Moi, je voudrais bien, hein, ça serait, parce que ça permet de progresser. C'est plus facile à optimiser parce que les coups de tournevis dans ces NLP, c'est pas trop. Oui. Mais est-ce qu'il faut... Oui, oui, non, mais ça c'est sûr. C'est évident. Mais est-ce qu'il faut au moins te donner l'apprentissage ? Il n'y a pas besoin de tournevis, tu as juste besoin d'avoir un cluster avec 20 CPU. Exactement. Oui, oui. Non, non, mais aujourd'hui, ce n'est pas un obstacle. Non, mais Yoshua a raison. Ces systèmes, que ce soit l'IMSI ou Cambridge, ils ont des puissances de calcul absolument extraordinaires pour faire ça. 20 CPU, c'est pas... Non, mais c'est rien, c'est pas grand-chose. Non, non. Il suffit de sous-traiter à Google. Ils ont non, mais même pas. Non, mais maintenant, on achète des machines avec 16 cores. Donc, ça y est. Bien sûr. Ben, néanmoins, il faut que vous sachiez que l'apprentissage d'un système de reconnaissance tel que celui-ci, ça dure une bonne semaine. Je dirais même... J'appelle une semaine, 7 jours, de 24 heures, sans arrêt. Hein, tu peux acheter une carte GPU qui coûte $600 et rouler des MLP 20 fois plus vite à peu près que... Donc, pour un coût très très faible. Ouais. Non, si les SVM doivent améliorer les choses, c'est pas sur les temps, c'est vraiment sur les performances. Et pour l'instant, ce que je voulais dire, c'est pas vraiment un problème. Enfin, c'est toujours intéressant, mais actuellement, on n'a pas amélioré les performances avec une SVM. Moi, je voudrais bien le voir, hein, mais c'est pas le cas. Sur les temps d'entraînement, les SVM, ça scale pas bien.
parce qu'essentiellement, on mémorise les exemples et ça peut être quadratique dans le nombre d'exemples. C'est quadratique en nombre de support vecteurs. C'est nombre de support vecteurs fois nombre d'exemples, au mieux. Oui. Donc c'est assez gros. Pas assez gros. Après ça, au moment de la reconnaissance, ça peut être assez coûteux. Ouais. Bon, quelques mots pour terminer sur la robustesse. Je pense que c'est un problème qui se rencontre aussi pour d'autres choses que pour d'autres domaines que la parole. Donc l'idée, le problème qui est un problème récurrent en reconnaissance de la parole, c'est que les systèmes obtiennent de bonnes performances en laboratoire, et dès qu'on sort des laboratoires, il y a une chute dramatique des taux de reconnaissance. C'est-à-dire que quand les conditions d'apprentissage et d'utilisation ne sont pas strictement les mêmes, on court à la catastrophe, et ça a été le cas dans de nombreux systèmes. Donc, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on a un espace d'apprentissage qui est différent de l'espace d'utilisation réelle. J'ai pris simplement quelques exemples ici, hein, de publications, de résultats qui ont été publiés. Dans une vieille application qui était une des premières de DARPA, Resource Management, c'était un petit vocabulaire, quelques milliers de mots. Entre des locuteurs américains de langue maternelle américaine, anglais américain, et des locuteurs non natifs, qu'ils soient européens ou autres, ou d'Amérique centrale, utilisant le même système et parlant anglais, parlant un bon anglais, vous avez un ordre de grandeur de chute de performance. Hein, simplement parce que les conditions d'apprentissage l'apprentissage avait été fait pour des locuteurs natifs. Sur une application un peu plus difficile qui était le Wall Street Journal, donc le Wall Street Journal lu avec 5000 mots de vocabulaire, là encore, on n'a pas 10%, mais 6% de 6 fois plus d'erreurs pour un locuteur non natif. Donc la disparité entre les espaces d'apprentissage et d'utilisation fait chuter les performances. C'est dire une évidence, hein. C'est pas propre à la parole, évidemment. C'est vrai pour n'importe quel système de reconnaissance de l'écriture, de cris de baleine ou autre. L'avantage pour les baleines, c'est qu'elles sont toujours dans la mer, donc a priori, on pourrait penser que le bruit de fond est à peu près constant. Eh bien non, c'est même pas le cas. Donc. Alors, les variabilités sont très importantes. Je vais passer là-dessus, hein. C'est pas la peine de... Encore, si c'est quand même intéressant de voir ce type de variabilité qui n'est pas conscient en plus chez l'être humain. Voilà. M. Voilà une personne, une américaine, qui prononce la lettre M. Bon, je vais demander de la prononcer dans de bonnes conditions. Donc, on voit le spectrogramme, hein. Elle a tendance à faire tomber le deuxième formant, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, la même personne prononçant la même lettre M dans son esprit, dans les mêmes conditions, de façon identique, sauf que là, on lui a mis un casque sur les oreilles et qu'on lui a envoyé un bruit assez important, de sorte qu'elle pense qu'il faut qu'elle surmonte ce bruit. Donc ça donne ça. M. Si on lui dit, t'as pas dit la même chose, elle dit, si, j'ai redit M exactement pareil, hein. Alors évidemment, si vous regardez le spectrogramme, c'est un peu grand chose à voir. Et si vous voulez reconnaître le M prononcé par ses locutrices dans les conditions bruitées, avec un modèle qui a été fait dans les conditions initiales, c'est mal parti. Ça, c'est sans le bruit ou avec le bruit à droite? Sans bruit. Ah oui, merci de le préciser. Tu fais bien de le préciser. À droite, vous avez le M sans bruit. C'est ce qu'elle a prononcé. On n'entend absolument pas le bruit, hein. Le bruit, il est simplement dans ses oreilles. M. Donc il n'y a aucun bruit, mais elle a du bruit. Et elle prononce M dans cette tendance bruitée qu'elle a simplement sur le casque, sur les oreilles. Et ça l'oblige, effet lombard, à modifier sa voix complètement. C'est plus long et les formants sont décalés vers le haut. C'est un phénomène que le docteur Lombard... Je suis désolé, j'ai pas trouvé la photo du docteur Lombard qui, en 1916, c'était un médecin qui n'était pas du tout spécialisé dans le domaine de la parole, mais qui avait fait cette constatation. Je sais pas comment il avait fait, d'ailleurs, pour le trouver, mais il avait fait ça.
C'est un problème difficile, parce que si vous regardez, je vous rappelle les formants F1 et F2, hein, qui sont caractérisés les voyelles, et vous avez ici les voyelles, chaque voyelle correspond à une couleur différente que l'on a prise dans une des bases de DARPA. Donc une base, une grosse base, il y a des milliers de locuteurs dans des conditions très différentes. Non, les mêmes conditions d'enregistrement de bruit. Simplement, la seule chose qui change, c'est le locuteur. On voit bien qu'il y a des paquets, hein, en reconnaissance de forme, on arriverait, peut-être qu'avec une SVM dans une dimension supérieure, on arriverait à séparer un peu mieux, mais vous voyez la difficulté.